Hey. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une des premières recettes de houmous parce que c'est la toute première que je vais faire et il y en aura une deuxième samedi 18h30 comme d'habitude. Je vais vous faire une vidéo en plus parce que j'ai eu une idée et je me dis, vu que j'ai le temps, pourquoi pas l'essayer et pourquoi pas vous la partager. On va faire ensemble un houmous d'épinards. Vous verrez, c'est vraiment très simple, très rapide et en plus ça permet d'utiliser la pâte de sésame que j'ai proposé mercredi soir sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la barre d'infos. Je vous laisse tout de suite avec la recette et on se retrouve après. Pour cette recette, il va te falloir 3 poignées d'épinards, 400 g de pois chiches, 1 cuillère à café de cumin, du sel, 1 gousse d'ail, 3 cuillères à soupe de pâte de sésame et 3 cuillères à soupe d'huile. Je commence par dégermer l'ail et je le coupe en petits morceaux. Dans un mixeur, je mets les pois chiches, les épinards crus, l'huile d'olive, la pâte de sésame, le sel, l'ail, le cumin, vous l'aurez compris, tous les ingrédients. Je referme et je mixe l'ensemble. Ne pas hésiter à mélanger dans le bol pour faire retomber le mélange et continuer à mixer par la suite pour avoir une pâte lisse. Je mets le mélange dans un pot et je réserve au frais et c'est terminé. Voilà, cette recette est terminée. Vraiment très rapide, vraiment très simple, parfait pour l'apéro. Mon Facebook, mon blog, mon Pinterest avec la recette, ça se passe dans la barre d'infos avec la recette de la pâte de sésame Tiny. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve samedi pour une deuxième recette de houmous.